Je déclare ce mardi journée mondiale du... La guerre. Ok. La semaine dernière, je lis le journal, tasse de café à la main, charentaise au pied, en écoutant du Michel Jonas, et je découvre les gros titres. Scandale. Des grenades de RUAG, la société d'armement de la Confédération, ont été retrouvées en Syrie. Aujourd'hui, rebelote. Je lis le journal, Michel Jonas à la main, tasse de café au pied, en écoutant mes charentaises, et je lis... Nouvelle affaire, des grenades de RUAG ont cette fois été retrouvées en Libye. Premier réflexe, je me dis, et alors rien à foutre. Alors je me replonge dans le journal et je relis les mots, scandale, affaire, polémique. Mais très honnêtement, je vois pas ce qu'il y a de scandaleux d'avoir retrouvé des armes dans des zones de guerre. Enfin, on aurait retrouvé Dave au milieu d'une zone de guerre. Là, oui, j'aurais pas compris. Quel scandale, ben abîmer oui. Dave comme ça. Ou inversement, si on avait retrouvé ces fameuses grenades en guise de petits canards dans le bain de Guy Parmelin, je me serais dit, oui, ok, je vois le souci, mais là... Et c'est énervant de pas comprendre, ça rend fou de pas savoir où est le problème. Alors je recommence à lire cet article et là, je tombe sur cette phrase. C'est un scandale car ce type de commerce est interdit si... Le pays de destination est en conflit armé à l'échelle internationale ou interne. Donc, en Suisse, c'est illégal de vendre des armes à des pays en guerre. Mais alors, pourquoi on vend des armes si c'est pas pour faire la guerre ? On met les grenades sur le sommet des gâteaux pour faire de la déco ? On les mange en salade ? Alors ok, imaginons un pistolet, on peut en vendre un pour armer les policiers. Mais un bazooka, on en fait quoi si c'est pas pour faire la guerre ? Une canalisation pour piscine ? Une grosse paille pour un gros smoothie ? En tout cas, ça la fout mal pour la Suisse, il faut sauver le soldat RUAG qui se retrouve responsable d'une belle petite bourde. Alors comment les grenades se sont retrouvées là-bas ? Bah, c'est simple, les munitions ont été vendues en 2003 aux Émirats Arabes Unis, et ce légalement, puisque les Émirats n'étaient pas en guerre. Mais comme ils n'étaient pas en guerre, ils savaient pas quoi en foutre de ces grenades. Donc ils les ont revendues en Jordanie, sûrement sur armybis.ch. Ils ont dû laisser une annonce « Vend grenades en bon état de marche, testées sur divers humains de sexe féminin ». Sauf que ça non plus, t'as pas le droit. La revente aussi, c'est illégal. La Confédération n'est pas d'accord. Mais ils sont un peu cons, à la Confédération. Si je te commande une caisse de pinard alors que je bois pas d'alcool, c'est soit pour offrir, soit pour revendre. Et de la Jordanie, les grenades sont arrivées en Syrie. Mais l'hypocrisie qui interdit de vendre des armes à des pays en guerre est bientôt terminée. Bah oui, quand même, hein, ça n'a aucun sens, on est d'accord. Enfin, le Conseil fédéral a décidé de changer ça en assouplissant l'ordonnance sur le matériel de guerre. Autrement dit, il sera autorisé de vendre des armes, même à des pays en guerre.